Allô, bonjour les amis, bonjour la famille, j'espère que vous allez super super bien. Bienvenue encore sur Elder au Japon. Je suis d'ailleurs sorti un peu pour faire des courses rapidement pour la bouffe, comme on dit, on sort juste pour des besoins vitaux quoi. Et ça m'inspire une petite vidéo, là je suis au parc dans mon quartier, vous pouvez voir autour de moi, il y a quelques personnes, mais on est super éloigné. Tout le monde essaie de garder vraiment la fameuse distance sociale. Donc on est super super éloigné, chacun assis sur un banc. Et voilà, tranquille, je profite de ce beau temps là, voilà, pour sortir, faire les courses et puis faire une petite vidéo. Donc aujourd'hui, la vidéo que je vais faire, c'est de parler des 5 erreurs que j'ai commises, ou bien pour le moment que je pense être les 5 plus grandes erreurs de ma vie. Ce n'est pas une vidéo pour parler de bourse d'études, mais c'est une vidéo un peu live, profiter du confinement, enjoy un peu. Donc voilà, c'est pas pour la bourse d'études, on n'est pas scotché sur la bourse d'études, je vais parler de bourse d'études plus tard, je vais faire quelques recherches et vous envoyer les informations sur les nouvelles bourses. Mais aujourd'hui, ce que je veux, c'est vraiment partager avec vous les top 5, les 5 erreurs que j'ai commises dans ma vie, qui me font marrer parfois et que j'aurais dû ne pas faire peut-être, ou bien s'il y avait à faire, peut-être que j'allais pas faire pareil quoi. Donc je partage ça avec vous, mais n'oubliez pas de vous abonner et c'est pour tout à l'heure. Voilà. Voilà les amis, donc l'erreur numéro 1, on va dire, on va commencer par le top 5 comme j'ai dit, mais on va commencer par la moins grande des erreurs dans mon classement, c'est-à-dire le numéro 5, ok? Dans mon classement, le numéro 5 pour moi, c'est les amis de l'école, si vous voulez, les amis quand j'étais à l'école primaire ou bien au collège. Voilà, en fait, j'ai aucun souvenir de ces personnes-là. Je ne me rappelle pas vraiment de tous ces amis, toutes ces personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'étais ami de classe, avec qui on allait à l'école ensemble, fréquenter mes voisins de classe. J'ai aucun souvenir de, je ne me rappelle pas vraiment de, j'ai aucune image en fait de ce moment de ma vie-là, de cet instant de ma vie. Voilà, je ne me rappelle pas le nom de mon voisin de classe de CM1, de mon voisin de classe de CM2. Et parfois quand j'entends les gens parler de leurs amis, non, on a fait ça ensemble, on était au primaire, ça me fait plaisir, mais moi je n'ai pas ce souvenir là et ça me fait un peu mal. Je pense que c'est une erreur de ma part ou psychologiquement, mais j'arrive pas, je suis pas arrivé à retenir les noms de mes amis. Il y a des corbeaux qui parlent beaucoup ici. Hein. Voilà, de tous ces amis là, depuis mon CP1, depuis mon primaire, jusqu'à ma classe de 4e, j'ai vraiment des images floues. J'ai pas vraiment quelqu'un en tête. J'avais mon voisin, je pense que j'ai retenu son nom parce que son papa était un célèbre pasteur dans la ville où j'ai grandi, la ville de Dabou, où j'ai commencé à faire mon primaire. Mais je me rappelle pas du nom de mes maîtres, du nom de mes enseignants. Et vraiment, c'est vraiment dommage. Et parfois, quand je suis sur Facebook, je vois des amis qui parlent de leurs voisins, de leurs amis, de l'école d'enfance. Ils ont fait ça, ils ont fait X, Y ensemble. Mais moi, ce n'est pas le cas. Et je pense que c'est une erreur, c'est une erreur. J'ai vraiment, vraiment envie de retrouver ces amis-là. Ils ont forcément des images de moi en train de faire des choses. J'ai envie que ces personnes en partagent avec moi pour me faire revivre ce moment de ma vie-là. Je sais pas, il y a peut-être eu un traumatisme, je ne sais pas, parce que j'étais vraiment concentré sur les études, concentré sur le papier. Depuis tout petit, hein, les gars. Mon papa voulait forcément que je sois parmi les meilleurs. Du coup, je pense que ça agit un peu sur moi et j'ai pas de contact avec mes amis d'enfance. Et ça, c'est une erreur pour moi. Un truc que si j'avais la possibilité de corriger, si c'était possible, j'allais vraiment, 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 vraiment à le faire. Voilà, l'erreur numéro 4 pour moi, c'était mon orientation en physique chimie à l'université de Cocody après mon baccalauréat. Donc pour ceux qui suivent peut-être mes vidéos bien, j'ai expliqué un peu. Hein. Après mon baccalauréat, j'ai fait un bac scientifique, un bac CRIC. Je suis super élève, j'étais le major de ma promotion en terminale. Mais malheureusement, j'ai flanché un peu au baccalauréat, aux épreuves de baccalauréat. Donc j'ai pas eu assez de points pour partir à l'INPHB, l'Institut Polytechnique. Mais par contre, je majorais pendant l'année scolaire, depuis ma seconde jusqu'en terminale, je majore. Voilà, il y a mon livret scolaire qui est là pour attester. Je suis toujours le premier en maths, en physique. Je majorais, en tout cas, j'ai majoré. Ma terminale, si, s'est passé super bien. Je pense que j'ai fini l'année avec 14-15 de moyenne. Donc, tout le monde se disait dans la tête, ah, c'est sûr, Elder, c'est sûr qu'il s'en va à l'INPHP après son baccalauréat. Malheureusement, à l'épreuve du bac, je pense que je suis tombé malade une ou deux semaines avant. Et un peu trop stressé, peut-être il y a le fait que tout le monde attend que tu majores tellement. J'avais tellement peur, je ne voulais pas reprendre ma terminale. C'était vraiment la seule classe que je
Avant, si je reprenais, je n'allais pas avoir trop mal. Mais pour moi, en terminale, je devais passer d'un coup. Et j'ai eu mon bac d'un coup, super. Mais je n'ai pas eu assez de points pour être orienté en polytechnique. Ça m'a fait super mal. Donc, il fallait se réorienter ailleurs. Et je vais faire une vidéo là-dessus pour tous ceux qui sont en terminale, qui cherchent à s'orienter après le baccalauréat, mais ceux qui ont un bac et qui se sont mal orientés. C'est possible de vous réorienter, mais jusqu'à un certain, on va dire, degré, un certain level. Donc, moi, je suis allé. J'ai déposé les dossiers, les prescriptions pour aller à l'université de Cocody en Côte d'Ivoire et on m'a mis en physique-chimie parce que je venais d'un bac scientifique. En physique-chimie, les gars, je suis allé me mettre là-bas et ça, c'était l'heureux pour moi numéro 4. J'ai fait 3 mois ou 4 mois de cours en physique-chimie. Déjà, je suis arrivé en retard à l'école, on va dire, ils ont commencé avant moi parce que mon orientation n'était pas vite sortie. Et j'arrive là-bas, les gens sont en avance, et les cours sont là. Le professeur est en amphi, il y a 300 élèves qui le suivent. Un cours de mathématiques, il démontre sa chose au tableau. Et nous, on est assis super loin, on ne comprend pas. En tout cas, moi, je suis tombé sur ce professeur-là. Je pense qu'il s'appelle professeur Kadjamin Kodja. Il doit être décédé, le vieux, père à son âme. Mais ces cours, je ne comprenais fucking rien, les gars. Okay. Je ne comprenais rien de ce rien. Et c'est là que j'ai réalisé que non, je ne suis pas fait pour aller à l'université. Voilà, l'université, c'était un truc pour moi vraiment où j'allais pas m'en sortir. Si je continuais à l'université, je serais pas assis là aujourd'hui. Si j'avais pas eu besoin que quelqu'un me donne le conseil pour dire petit, c'est pas ta place. J'ai senti que c'était pas ma place parce que j'ai besoin d'être en contact avec mon professeur. J'ai besoin de poser des questions. J'ai besoin d'arriver en classe tranquille, sans stress. Mais là, il fallait lutter pour entrer dans l'amphithéâtre. Et physique chimie, pour ceux qui ont fait Abidjan Côte d'Ivoire, on appelle ça prison civile, PC, physique chimie, PC, prison civile. On est beaucoup d'étudiants à l'intérieur de la prison civile. Les gens sont super intelligents, mais les gens ont des problèmes pour avancer. Donc moi, je suis arrivé, j'ai perdu 4 mois à essayer de les rattraper parce que j'étais en retard, comme j'ai dit, mais que ça n'allait pas, les gars. Ça n'allait surtout pas, vraiment, vraiment pas. Donc je pense que, voilà, ça c'est une erreur. Si je dois aller en physique chimie, même pour faire 2 jours, je ne vais pas partir en physique chimie. C'était une erreur. Donc, j'ai perdu 3 mois. Et en même temps, la bonne chose, déjà, comme j'ai dit, j'ai réalisé que ce n'était pas ma place. En même temps, automatiquement, j'ai commencé à enclencher le processus pour pouvoir faire un BTS, un brevet de technicien supérieur. Beaucoup parlent de ça en mal, mais grâce à mon BTS aujourd'hui, je connais beaucoup de choses dans le domaine informatique, technologique. Et c'est tout ça qui m'a permis d'être au Japon aujourd'hui, pour pouvoir étudier l'informatique. Donc, quand on a un BTS, c'est pas faux. Sans la licence, ça ne veut pas dire qu'on a raté sa vie, les gars. Moi, je n'ai pas fait de licence classique, je ne suis pas allé à l'université. Je fais un BT, je fais un cycle ingénieur. Donc, voilà, c'était le numéro 4. Après, je vais parler de ceux qui ont le BTS, de comment vous réorienter, comme j'ai dit. Mais là, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les erreurs et c'est 4 mois de cours en physique chimie à l'université en 2000. J'ai eu mon bac en 2004, je pense. Ouais, j'ai eu mon bac en 2004, mon BTS en 2006, mon diplôme d'ingénieur en 2009. Donc voilà, c'est quelques mois là en physique chimie, les gars, je vous conseille pas, c'est la lutte là-bas, c'est la lutte. Voilà, le numéro 3, c'est un peu côté sentimental, un peu, on va dire, vraiment un peu privé, mais je vais casser le papeau pour vous. Et beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo vont se retrouver dans ma vidéo. Mon heureux numéro 3, c'était que au début, quand j'ai commencé à tomber amoureux des filles, les trucs comme ça, quand j'ai commencé à avoir les sentiments, on va dire, amoureux pour quelqu'un, mon crush, c'était ma cousine. Je suis tombé amoureux de ma cousine, d'une de mes cousines. Et c'est pas un truc à faire, les gars. C'est pas un truc à faire de tomber amoureux de sa cousine, mais ça arrive. Hein. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup d'histoires comme ça, de quelqu'un qui tombe amoureux de sa cousine. Moi, je suis parmi toutes ces personnes-là. Mon premier crush, c'était ma cousine. Et c'est une erreur, les gars, de ne pas faire, ok? Parce que si elle aussi elle est amoureuse de vous, ok, ça marche, vous faites des trucs en clandestin, mais c'est dangereux, c'est pas bon, c'est pas bon, ça se fait pas, ok. C'est la cousine, ça se fait pas, on mange pas à la maison, on mange pas, comment dire, on ne chie pas où on mange, quoi, des trucs comme ça, ok. Donc, ça c'est quand elle est ok, d'accord, mais quand elle n'est pas d'accord, quand elle est, genre elle a son gars, ou bien elle est amoureuse de quelqu'un d'autre, ah les gars, ça fait souffrir, hein. Parce que tu vois le mec qui vient, elle sait que tu es fan d'elle. Tu lui as dit, tu lui as avoué par exemple, et puis elle aussi elle est fan d'un autre gars, donc tu vois les gars ils communiquent ensemble, tu es à la maison avec eux, tu vois, tu peux pas capter le nom du gars, mais tu peux pas en même temps aussi, tu vois. Ah, c'était compliqué les gars, c'était compliqué, mais bon, ça va, après on a géré tranquille, après on est devenu super friends,
elle a compris, j'ai compris en fait, c'était moi qui ne devais pas tomber amoureux d'elle, ok. Et après on faisait le truc, c'est que je l'utilisais pour pouvoir prendre l'argent avec les gars, tu vois. Ta cousine elle est jolie, tu veux pas qu'on sorte, tu veux pas qu'on la rencontre, tu veux pas discuter avec elle. Moi je vais voir la cousine, je la mets sur le cou, et puis tranquille, nous on marmaillait les gars qui étaient fans d'elle, parce que faut dire que on était super jeunes, donc il y avait les gens les plus âgés que moi qui étaient aussi attirés par la cousine. Elle était super belle, super super jolie. Et moi je suis plus le cousin amoureux, mais je deviens le cousin qui utilise sa cousine pour faire les trucs, quoi, de ouf, quoi. Mais vraiment, c'est une erreur. Pour moi, je pense, je mets ça dans la liste des erreurs à ne pas commettre, les gars. Tous ces jeunes gens qui me suivent, je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui sont jeunes, voilà, qui ont moins de 25 ans, 18 et 25, selon les statistiques que YouTube m'a données sur vous. Donc voilà, faites attention, les cousins, les cousines, c'est pour faire les cousins, cousines, ok, c'est pas pour se chercher. Voilà, c'est pas pour faire les messieurs, madame. Le numéro 2 des erreurs à ne pas faire, voilà, c'est que après quelques années après la cousine, je pense que je kiffais une autre fille dans mon même quartier, mais son papa était policier et il était de la PJ, ce qu'on appelle police judiciaire chez nous en Côte d'Ivoire. La PJ, c'est des policiers qui s'habillent pas tous les jours en civil, qui ont l'air de ne pas ressembler à des policiers qui sont comme ça, mais qui sont très très dangereux. Donc moi, ma technique de drague, ma technique d'approche, je voulais tellement parler avec ces derniers là que j'ai commis l'erreur d'appeler sur leur téléphone fixe à la maison. Dans le temps, il n'y avait pas les portables, donc il fallait appeler sur le téléphone fixe. Donc j'appelle sur le téléphone fixe, je me fais passer pour un autre gars, parce qu'on habite dans le même secteur, dans le même quartier. Donc je me fais passer pour un autre gars, du genre, ça va, je connais le nom de la fille, donc je ne l'appelle pas son nom. Ça va, oh, c'était très joli, si c'est possible, est-ce qu'on peut se rencontrer, telle heure. On se connaît au quartier, mais je prends une voix qui fait qu'elle n'arrive pas à identifier la personne. Donc elle, ça tiquait dans sa tête. Au lieu de venir au rendez-vous, elle a parlé à son papa. Parce que son papa est de la PJ, donc il y a peut-être des menaces. Il y a peut-être un ancien criminel qui a retrouvé le numéro de la famille, qui veut faire du mal au vieux en passant par la fille, des trucs comme ça. Donc elle a fait le point à son papa, le compte rendu à son papa. Et son papa, lui, il est dans la police, donc il fait ses investigations. Il trouve le numéro de téléphone qui a appelé sa fille, qui a appelé son numéro à la maison chez lui à telle heure. Ils font l'investigation, ils trouvent que c'est le numéro de la maison, de chez nous à la maison. Je n'ai pas été trop intelligent sur ce coup, les gars. Voilà. Donc, ils retrouvent le numéro, c'est mon numéro. Moi, dans ma tête, à l'époque, ça n'allait pas s'afficher sur son terminal. Ok, ça n'allait pas s'afficher sur le téléphone. Donc, moi, j'étais à l'abri du coup. Mais lui, il est policier, il a son réseau. Donc, il remonte le truc et on arrive à traquer notre numéro à la maison. Donc, un soir, on est tranquille, on achète à la maison. Et le tonton de la PJ qui se pointe, oh my god. Et il fait le point à mon tuteur dans le temps. Et qu'il y a un numéro de la maison qui a appelé pour donner rendez-vous à sa fille. Et que vraiment il n'apprécie pas ça du tout, parce que ça a mis toute sa famille en alerte. Il a pensé que c'était un ancien criminel, quelqu'un qui l'a mis en taule, qui essayait de se venger. Donc lui, il ne comprend pas, il n'accepte pas ça. Il ne faudrait plus que ça se répète. Donc mon tuteur dans le temps, il sait pas, lui, il ne savait pas. Donc les cousins qui étaient là ont vite su que c'était moi par rapport à la fille qu'on avait appelée. Donc vite su que c'était moi. Donc on m'appelle, je suis là devant le tonton. Déjà on m'appelle, même j'essaie de fuir, quoi, parce que là quand je l'ai vu à la maison, moi je suis que c'était mort. Donc l'oncle essaie de gérer le problème, pardon, désolé, c'est probablement l'un de mes petits qui l'a fait, blablabli, blablabla. Et moi après maintenant j'arrive à la maison, les gars, oh, c'était lourd, les gars. Atmosphère lourde, je ne pouvais plus sortir par la porte principale. J'ai fait 2 semaines à la maison, parce que si je sors, on allait me voir. C'est les voisins en fait, on habitait la même zone, donc on allait me voir. Donc je prenais tous les couloirs pour ne même pas rencontrer un seul membre de la famille de la fille. Donc voilà, c'était l'erreur à ne pas commettre, les gars, il ne faut pas faire ça. Voilà, il faut trouver d'autres techniques d'approche, il faut trouver d'autres TAP. Voilà, bref, voilà, c'était un peu ça. Voilà, donc la prochaine erreur, peut-être le numéro 1 pour moi, maintenant que j'ai voyagé, vraiment que je suis sorti du pays, le numéro 1 des erreurs que j'aurais pas dû commettre, ok, c'est d'oublier mon allemand. Je parlais super bien, pas super bien, mais je parlais bien bien l'allemand quand j'étais au lycée. Voilà, j'étais au lycée en seconde, pardon, depuis la quatrième au collège. On a pris les cours en allemand et moi je suis peut-être un peu particulier, j'aime les langues étrangères, j'aime les langues vivantes. Et j'étais super bon en allemand, je pouvais m'exprimer, avoir une conversation comme j'ai en français ou bien comme j'avais en anglais.
Et quand j'ai eu mon BEPC, il faut décider l'orientation. J'étais tellement bon pour, aux yeux de mon professeur en d'allemand dans le temps qu'il a voulu que je parte faire une série littéraire. Donc j'étais bon en allemand, j'étais pas mal, très moyen, très moyen, vraiment un peu bon en anglais. Donc dans les filières, on va dire dans les matières littéraires, j'excellais. Aussi dans les matières maths, physique, aussi en troisième, j'excellais. Comme j'ai dit, j'ai majoré, j'ai passé mon temps à majorer à l'école. Donc au moment de décider si j'allais partir faire une série scientifique ou une série littéraire, mon professeur d'allemand m'a fait le retour que vraiment c'était vraiment chaud dans la salle des profs. Après j'ai décidé, mais si on l'envoie en C, il va perdre son talent avec les langues, il communique bien en anglais, il s'exprime super bien en allemand. Donc c'est pas mieux de lui laisser faire une série littéraire. Moi dans le temps, tu vois, tout le monde, hein, c'est normal, tous les enfants en troisième, c'est pas évident qu'en troisième tu saches que tu aies envie d'aller faire une série littéraire. Tu sais même pas quel boulot tu veux faire avant. Après avoir étudié le bac A, mais le bac C, tu sais pas. Moi je voulais devenir journaliste, tu vois. Dans le temps je me dis, ah mais c'est super bien de pouvoir se mettre devant une caméra, parler, faire des reportages, montrer des news à la télévision. Donc j'avais ce petit penchant pour la littérature, pour le côté journaliste de la chose. Si je parle devant les caméras, c'est parce que j'ai un peu ça dans le sang peut-être. Donc je voulais devenir journaliste, passer au journal de 20h, tu vois, faire des présentations. Donc je ne savais vraiment pas choisir entre la filière littéraire, seconde A, ou bien aller en seconde C. Finalement, les professeurs ont dit, bon, c'est vrai qu'il majeur, il est bon dans les langues, mais il est aussi bon en sciences. Donc on va le laisser faire une seconde C. C'est comme ça que je suis parti en seconde C. Donc j'avais ce niveau d'allemand là, j'arrive au Japon, je sors de mon pays, je voyage, je suis allé en Allemagne, j'ai fait un mois en Allemagne quand j'étais au Japon, quand j'étais étudiant en 2016. Et j'ai envie de faire sortir des mots en allemand, tu vois, wie geht's, sehr gut, how will they hand, the Krankenschwester, l'infirmière en allemand, on dit the Krankenschwester, un truc comme ça. La sœur du malade. Voilà, Schwester c'est la sœur et puis Kranken c'est lui qui est malade. Donc l'infirmière. Donc j'avais ce voix d'allemand là. Je me exprimais un peu bien en allemand en tout cas. Viele Leute, Abutzamen, ces expressions en allemand étaient là. Mais j'ai tout oublié ça. C'est mon numéro 1, mon top 1 des erreurs. J'aurais voulu continuer de maîtriser, mais d'apprendre un peu l'allemand un peu plus. Pourquoi? Je sais pas. Ça allait peut-être m'aider, ça allait pas peut-être m'aider. Mais le fait de pouvoir communiquer dans plusieurs langues, les gars, c'est un avantage incroyable. C'est un gros avantage, quoi. Donc, imaginez que moi, je parle anglais, français, japonais et que j'ai actuellement, si j'avais pas oublié l'allemand, que je parle l'allemand. Ça serait trop grave, quoi. Donc, je suis allé en allemand et j'ai commencé à bégayer en allemand là-bas. Donc, ça, c'était mon top 1 des erreurs, voilà, de ne pas commettre. Oublier les langues étrangères. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner très rapidement. C'était les quelques heures que je voulais partager avec vous aujourd'hui de ma vie. J'espère que ça vous a plu. Voilà, il faut partager ce genre d'expérience là. Comme ça, les gens savent un peu plus sur moi. Voilà, c'était un peu ça aujourd'hui. Et puis merci à toutes ces personnes qui sont abonnées à ma page. On a atteint 5000 abonnés. Vraiment grand merci pour ces 5000 abonnés là. Je suis super content de vous avoir. Beaucoup plus de contenu. Sur ma life, parce que je sais que les gens sont intéressés un peu, pas seulement sur le côté bourse d'études, ça devient rabat-joie, ça devient saoulant. Donc on va essayer de mélanger un peu le contenu au lieu de faire une deuxième chaîne YouTube. Et puis j'espère que vous êtes confinés. Voilà, je vais finir la vidéo, je vais mettre mon masque, je vais rentrer là, comme j'ai dit, j'étais au PAC. Et prenez soin de vous et on se dit bye bye et à la semaine prochaine. Ciao, bye.